Alors cette vidéo, c'est pour vous annoncer que je reviens sur TD2. Salut les potes, c'est Zalidane. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez que le format est un petit peu différent puisque je la filme avec mon appareil photo cette fois-ci. En fait, je suis tout simplement en train de faire des tests dans cette vidéo puisqu'une vidéo relativement importante pour ma chaîne arrive très bientôt et elle sera pour le coup filmée essentiellement avec cet appareil. J'aurai un micro-cravate, etc. Donc la qualité sonore sera bien meilleure. Mais dans tous les cas, voici pourquoi je filme la vidéo différemment aujourd'hui. Alors cette vidéo, c'est pour vous annoncer que je reviens sur TD2. Alors pour combien de temps, je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, j'ai quelques objectifs qui rentrent en jeu, en termes de build notamment. On a un objectif avec le clan ZLG. Je vous le rappelle d'ailleurs, les candidatures pour le clan ZLG sont aujourd'hui toujours ouvertes. Donc je vous mettrai une fois de plus en description un lien vers le formulaire d'inscription et le formulaire de candidature. Nous avons plusieurs objectifs avec ZLG pour la sortie de ce nouveau raid, en espérant, pitié, en espérant que le raid arrive bien au début 2020, c'est-à-dire en janvier. C'est l'espoir qu'on a tous, janvier, février à la limite, ça serait vraiment super. Moi, revenant de TU5, c'est aussi une vidéo qui s'adresse du coup à tous ceux qui ont mis le jeu en pause. Revenant de TU5, je vous le dis, la méta a complètement changé. La TU6 est un super update, très clairement. Vous pouvez maintenant cibler le loot, vous pouvez faire beaucoup de choses que vous ne pouviez pas faire avant en termes de farming. J'ai pu farmer, par exemple, pour être concret dans mes propos, un stuff presque optimisé, presque. Au moins, on a toutes les pièces, on a tous les talents, etc. Un build sniper en une dizaine d'heures de jeu, ce que je pouvais difficilement faire avant ça. Bien sûr, toujours très important de farmer à 4, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible. Premier objectif du coup pour ZLG sur ce nouveau raid, ce raid qui arrive. Donc même si on n'a toujours pas d'infos, bien sûr, je vous ferai une vidéo dès qu'on a un petit peu d'informations, dès qu'on a quelque chose, je vous fais une vidéo pour vous expliquer ce qui va se passer. Mais dans tous les cas, nous avons pour ambition d'être les premiers francophones à tomber le raid. Alors bien sûr, cette annonce, elle n'est pas là pour faire de la compétition, pour dire aux gens on est meilleur que vous, allez-y. C'est juste un challenge qu'on se lance, dans le sens où sur TD2, dans tous les cas, il n'y a pas énormément de challenges compétitivement parlant, pardon. Et donc, l'un des challenges restants aujourd'hui, c'est justement le fait de pouvoir passer un raid en tant de temps ou faire du PVP à la limite. En parlant de PVP, c'est aussi une des petites modifications que j'aimerais faire sur le contenu que je vais proposer. Sur Division jusqu'à maintenant, je n'ai pas touché au PVP. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Dark Zone notamment est plus active qu'elle ne l'était quand je jouais au jeu. Donc sur mon retour, j'ai aussi prévu de farmer plusieurs builds PVP, que ce soit le build Diamondback de Stahl, que j'ai présenté dans un épisode de Parle-moi de ton build très récemment, qui me fait extrêmement envie. Et un build plus classique avec serment, berserk parfait, serment parfait, quelque chose basé du coup sur des dégâts et de la régène HP et un pool HP important. Voilà, ce sont les deux builds que j'ai prévu de faire sur la méta. Voilà, cette vidéo les amis est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce format un petit peu différent, vous l'aurez pas trouvé trop dégueulasse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.